Bonsoir à tous les amis, puisque bien sûr cette vidéo sortira le soir à 17h comme d'habitude. C'est Valmore 333 et je suis en compagnie de bien sûr Evenly Bodies, Bodies avec un S, hein. C'est pas pour rien, c'est qu'on est deux sur cette vidéo. Et t'es avec vidéo. Qui? Tout à fait, avec Fanny, bien sûr. Mais t'aurais pu te présenter toute seule, bien sûr, comme une grande. Donc effectivement, on tourne cette vidéo, il est 11h30 bientôt, hein, mais comme elle sortira le soir, c'est toujours le bonsoir, bien sûr. Alors, nettoyage, voilà, c'est là où on en était, je pense que c'est assez représentatif d'émission. Ah non, moi je t'invite à... Ah, attends, on n'a pas les bons personnages. Voilà, voilà, parce que sinon bah, les couleurs vont être inversées, ça va pas être bon. Ne mets surtout pas newtonien, non. Parce que sinon tu vas souffrir. Faudrait qu'on essaie un jour newtonien. Donc nettoyage, je pense qu'on doit juste reprendre, voilà, jour 3, tout simplement. C'est parti! Création du flux. C'est parti! Moi, je suis couleur pompier, hein, bien sûr. Arrête de me tenir la jambe. Je te tiens pas la jambe. Si tu me tenais la jambe. Non, elle avait la main. Attends, on peut se serrer la main. Attends, serrons-nous la main un petit coup. Serrons-nous la main. Là. Bonjour, bonjour, Fanny. Bonjour, Fanny. Alors, jour 3, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais prendre le rapport de mission. Ou alors, tu pourrais peut-être le prendre pour une fois. Hein. C'est toujours moi qui le prends. Attends, faisons ça, on sera peut-être plus à l'aise. Voilà. Non, c'est moi qui passe en premier. Appuie sur le bouton. Hop là. Les systèmes de SAS et les portes de la baie et la machine à recycler ont subi des dégâts, des débris externes et doivent être réparés. Ça se passe où? Ok. Un outil de forage est disponible pour vous aider à les réparer. Une fois que vous serez dehors, les unités pilotées de manœuvre UPM vous permettront de vous déplacer lorsque vous réaliserez des opérations extérieures. Ah, on va utiliser un petit véhicule. Utilisez-les pour assister la maintenance et le nettoyage des débris. Alors attends, laisse-moi juste récupérer le rapport. Dans le rapport officiel, qu'y a-t-il ? Réparer les systèmes de base, alors les photos disent quoi? Il faut que tu ailles rechercher le petit machin. Il nous faut un genre de perceuse, une perceuse à percussion. Pour reboulonner un petit peu tout. Ok, tu prends l'appareil que t'as pris l'autre jour, je prends la perceuse, moi, je vais boulonner, moi, tu vas voir. La péteuse, on va prendre la péteuse. Je pense que c'est pas la peine que je prenne l'extincteur. Je te laisse ouvrir les portes. Je vais ouvrir. Ah bah non, il n'y a pas besoin. Pas besoin là. Vas-y, je te laisse faire. Elle s'en sort très bien là, Fanny. Elle a fait des progrès en natation. Alors la péteuse, elle est là, elle est pour moi. Ouais, mais... Hop. Ah, elle est là-haut. Tac. Oula. D'où l'expression « avoir la tête dans le cul ». C'est par là, je crois. Hein. C'est faut continuer, me semble. Alors, attends, que dit le briefing de mission? Ah, on pouvait zoomer sur le briefing, j'ai jamais fait gaffe. Donc, il va falloir aller péter en zone A, en zone B, il y a des trucs à faire, zone D, zone C. Je crois que c'est marqué en plus les zones, donc et ça, ce sera pour après. Donc déjà, est-ce qu'on n'irait pas dans toutes ces zones? Oui. Allons-y. Il faut que je reboulonne. Faut que je reboulonne. Pousse-toi. Faut que je reboulonne ça. Faut que tu me laisses la place. S'il te plaît. Tiens, donne ta main. Donne ta main. Ah oui, d'accord. Oui, je me vois jaune depuis tout à l'heure, moi. Non. Tiens. Voilà. Je te donne un coup de main. Pour... Tes petits pieds. Les petits pieds avec les gâchés. Non, ça passe pas. Mais dégage, au pire. Bah, je peux pas, moi. Attends, au pire, je vais essayer d'avancer. Oh, quel enfer. Je peux pas, moi, je peux plus bouger. Allez, vas-y. Allez.
Allez. Est-ce que tu pourrais ouvrir un petit coup la fenêtre derrière nous, parce que sinon le PC risque de chauffer un peu trop. C'est pas le but. Ce qui fait particulièrement chaud. On est le week-end du GP Explorer, les amis, donc les températures sur le Mans sont assez critiquables. Alors, attends. La péteuse, je m'accroche. Non, bah non, laisse-moi la priorité sur la caméra, s'il te plaît. La péteuse. Alors, comment ça fonctionne ? Faut en avoir deux, je pense. Ah non, c'est juste... Ah, ok, parfait. Tac, donc je vais changer de main. Hop. Ah ! Le manche, là, qui me gêne. Voilà. Hop. Donc, on va changer de main. Je vais essayer de me la passer. Putain, comment je me la passe dans l'autre sens ? Au pire, je le fais comme ça. Impeccable ! Merde. Récupère-la. Là. Tac. Et j'ouvre. Si ça veut bien. Attends. Hop. Allez. Hop là. Prête ? C'est parti. Donc, c'est la zone quoi celle-là, la D. C'est pas grave, la zone pour les faire. Zone D, là, il y a une vis en bas. Attends, je mets la vue comme ça. Non, c'est pas une vis ça. Ah, peut-être d'abord les faire. Apparemment, c'est pas une vis. Attends, on va ouvrir déjà. Accroche-toi parce que quand on va ouvrir, ça va faire sortir l'oxygène. Ah, peut-être brancher. Ah merde, ça referme. Attends. C'est pas le... Voilà. C'est l'autre, peut-être. Bah l'autre est pas allumé, donc... Et là, il y a peut-être un truc... Ah, il faut que tu l'attires. Faut que tu l'attires, regarde, tu rebranches là. Ouais, bah oui, c'est bien ce que je pensais. Là, c'est toi qui dois opérer. Je te laisse la place. Regarde, je mets mes jambes comme ça pour te laisser la place. Impeccable. Éteins-le parce qu'après, il attire tout. Attention. Accroche-toi. Oh là là. J'ai lâché l'appareil. Vas-y, t'as la priorité si tu veux... J'ai lâché l'appareil. Si tu veux reprendre. Si tu veux revenir. J'ai lâché l'appareil. Il va réapparaître. Oh là là. J'ai lâché l'appareil. Oh non, la mission est un échec. Il faut tout reprendre. Bon, c'est pas grave, on n'avait pas fait grand chose. Ah non, mais bon. Quand je te dis de t'accrocher parce que l'air va sortir... Hop là. Bon, on connaît le briefing de mission. Je pense que c'est pas la peine qu'on s'embête un peu plus. Allez, avance. Bah, deux secondes, j'ouvre les portes. Mais, lâche-moi. Mais t'avances pas. Hop là, j'avance pas, hein. Je suis juste en train de m'enfuir. La péteuse. Hop. Merde. Ma péteuse. Hop là. J'avance en premier puisque c'est moi qui vais devoir opérer. Donc j'ai rien eu à revisser, en fait tout est resté comme c'était. On est au même niveau qu'on était tout à l'heure. Donc attention, accroche-toi. Vas-y. T'es bien accroché. Le temps que l'air s'évacue. L'air est... Il doit plus y avoir d'air, là. Ah, faut qu'on... Oui, il faut refermer la porte derrière toi, le sas. Ah. C'est... Oui, parce qu'on a une génératrice d'oxygène, je pense, c'est pour ça. Ouais, il faut refermer la porte du sas. Accroche-toi pour refermer, sinon ça marche pas. Il y a moi, par exemple. Ah.
Et là, on est bon. Et donc, on a fait quoi? C'est bien beau d'aller là, oui, mais... Des clignotes. Pourquoi est-ce que des clignotes? Faut peut-être qu'on rallume tous les trucs avant. Avant de commencer à sortir. Parce que pour l'instant, on regarde ce qu'on nous dit de faire. C'est de rallumer d'abord tous les trucs. De répéter tous les trucs. Donc j'ai besoin de toi parce qu'il faut que tu rebranches chacun des machins. Donc on va d'abord aller faire ça. Je referme. Ne n'ouvre pas. N'ouvre pas, non, surtout pas. Je suis attaché. Hop. Quel enfer! Houston, nous avons un problème avec une personne! Mais lâche-moi! T'es sérieux? Allez, allez, allez! C'est pas par là! Tu fais des gestes très très bizarres. Non, non, ne referme pas. La suite, c'est par là, je crois. On en a un aussi juste à côté de nos lits. Donc éventuellement... on aurait même peut-être pu commencer par celui-là. Moi, j'y vais tranquille, regarde. La glissade. Alors, la péteuse. Tac. Ah, mais là, c'est les films. Impeccable. Il faut que tu les attires aussi, je pense, non? Ou il va falloir qu'on le fasse en sortant. Si, ça peut marcher avec le truc, ça les attire apparemment. Il a bougé, en tout cas. Impeccable. Et l'autre? Ah, bah, pas... Bah. Tiens. N'ouvre pas. Il revient à sa position, je crois, si tu le... Attends, je l'éteins. Voilà, comme ça, ça évite les ennuis. T'oublies de l'éteindre à chaque fois. Ouais, mais attends, il est mal placé. Bah, de toute façon, on va pas sortir pour l'instant. Il faut juste qu'on les remette en fonctionnement. On peut laisser les portes ouvertes, la première porte. Ça nous fera ça de moins. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Plus. Non, qu'est-ce que c'est? Ne l'allume pas. Voilà. Allez, je passe devant. Alors, pour la suite des opérations, il nous reste deux lettres à faire. Ça, on s'en était occupé la dernière fois. Il y a des débris ici. Cette porte-là est fermée. Je pense qu'on ne peut pas l'ouvrir. C'est l'entrée. C'est l'entrée, donc... on n'a rien à faire là. Je crois qu'il faut qu'on avance. Tout droit. T'ouvre la porte, s'il te plaît. Non, je peux pas l'ouvrir. Mais si, à côté, il y a de la poignée. Il y a de la poignée à côté. Là-bas, là. Là-bas, où je monte ma main. Allez. 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 Un peu de nerf. Tiens, donne ta main. Hop là. De la coop. Tu me laisses partir là? Mais c'est parce que en fait j'ai fait un tourbillon. Est-ce,
que c'est bien par là? Je ne suis plus très sûr. Attends, tu veux pas que je regarde au machin là? Au pire. Deux secondes, laisse-moi faire. Je vais aller regarder à la machine. Mais je te dis de me laisser faire. Laisse-moi les commandes de la caméra. Hop là. Alors c'est où? Oui, effectivement, c'est oui, ici. C'est là. Et ici, ok. Je me rappelais plus. T'as un truc en haut aussi. Ouais, mais ça sera après. Faisons dans l'ordre de nos opérations, telles qu'elles sont données. On y va ensemble parce que des fois il y a des trucs à faire tous les deux. Bon, déjà il n'y a plus d'incendie dans cette station. C'est déjà un petit peu plus sécurisé et sécurisant. Je m'en occupe de ça notamment. Alors attends. Tac. Ferme la porte. Attends. Elle va pas s'ouvrir la porte de toute façon. On va pas l'ouvrir, je pense pas qu'on ait besoin de l'ouvrir. Voilà. Parfait. Non, y a rien. Ça sera après. Il faudra qu'on ouvre la porte. Mais pour l'instant, c'est pas. Regarde ce qui est donné. C'est vraiment juste réparer. Ouais, mais je dois le mettre, lui. Non, il est déjà mis, regarde. Il est déjà mis. Le fusible. Ah oui, d'accord. Elle est en train de montrer le fusible sur l'écran, les amis. Mais on ne voit pas ton doigt. De l'autre côté. Un petit effort, s'il te plaît. Les portes des différentes sections sont juste des petites portes coulissantes, donc ça va. Il y a un truc là dehors qui vole dans le vide. Ah. J'ai du travail. Éteins-le parce qu'il attire des trucs. Il risque d'attirer des trucs. Allez, je me tiens en même temps, donc ça marche pas. Si, c'est bon. Merde, j'ai laissé la péteuse. Je te mets des petits coups de pied. Ma péteuse. Voilà. Et l'autre. Hop. Impeccable. Hop là. Tu l'ouvres cette porte? Il faut que tu me laisses ta place. Attention. Et à le petit coup de pied. Hop là. Allez. Voilà. Bah alors? Ça, c'est pas ouvert. Ah, d'accord. C'était dans l'autre sens, ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut réparer ici? Ah, la prise qu'il faut que t'attires vers le petit branchement. Juste là. Il faut que tu prennes ma place. T'attires la prise dans le branchement. Je vais m'écarter au pire. Pour m'écarter. Là, je te laisse la place. Tu la fous dans la prise. Attends, je m'en vais. Voilà. Comme ça, t'as la place. C'est pas mal.
tu me laisses la caméra. Bah, si tu veux avoir la caméra d'assez proche, il faut que tu me laisses revenir au moins, m'accrocher. Voilà. Et là, tu peux avoir la caméra autant que tu veux. C'est dans l'autre sens. Il faut que t'attires la prise. Allez, encore un peu, encore un peu. Enfin, c'est un fusible, c'est pas une prise. Encore un peu. Impeccable. Alors, la suite des opérations. Débloquer et ouvrir les portes de la baie de la machine à recycler. C'est celle qui est en haut, ça. Machine à recycler. Pourquoi ils nous regardent, ils encadrent les... Bah, parce qu'il faudra les mettre. Porte de la baie A, porte de la baie B. Bah attends, on va y aller déjà, elle est pas très loin. Donc demi-tour. Ah, c'est les portes pétées là-haut. Il faut qu'on arrange ça. J'ouvre la porte. Hop. Là-dedans. Tu fermeras derrière toi. Éteins-le, éteins-le. Appuie sur A, tu l'accroches et tu l'éteins. Mais il se débranche. Appuie... Non, non, décroche-le. Non. Prends-le dans la main, décroche-le. Appuie sur A, loin de ta truc, pour l'éteindre. Voilà, et tu l'accroches. Voilà. C'est sûr, il va attirer toutes les saloperies. Allez, vas-y. Fanny se bat. Elle se bat pour survivre. Profites-en pour fermer la porte au passage. Non, rentre dedans déjà. Et voilà. Et là, accroche-toi bien. Ah bah bravo. Accroche-toi. Non, c'est bon. On n'a pas besoin. On a fermé le sas de protection. Alors, que fait cette poignée déjà? Ah d'accord, elle referme la porte. Bon, attends, je la laisse ouverte. Je pense pas qu'on ait besoin de la fermer. Attends, j'essaie de rouvrir ça. Allez! Allez! Quel enfer! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à réparer ici? Faut qu'on rouvre ces portes-là, les grandes portes de baie. Je suppose que ça doit être ces grandes portes-là, jaunes. Y a un truc à revisser là, peut-être. J'arrive pas à voir. Y a un écrou là, on est d'accord. Ouais, mais il a l'air cassé. Attends, j'essaie avec la péteuse. Non, c'est pas un écrou ça. C'est juste la loupiote. Faut que je mette ça à ma ceinture, tac. Comment on ouvre ça? Est-ce qu'on nous indique quelque chose pour les portes de la baie? Ou il faut qu'on aille à l'extérieur, à mon avis, il faut qu'on attrape l'appareil et qu'on aille réparer les trucs qu'il y a à l'extérieur, je pense. Ouais, à mon avis, on va pas avoir le choix. Mais l'extérieur, si c'est à l'extérieur, tu peux pas. Non, c'est pas intéressant. Ouais, parce que là, je pense qu'il y a rien à faire. Faut qu'on aille là où il y a la machine. Parce que la recycleuse, je pense qu'il faut qu'on lui envoie des morceaux beaucoup plus gros. Tu refermes, s'il te plaît. «
Accroche-toi à mes pieds, au pire. Allez, vas-y. Allez. Tu le tiens mal, le levier. Attention, je vais faire un petit coup de vis, hein, si tu te dépêches pas. Hop. Le petit coup de vis. Les pieds. Impeccable. Donc. Par là. Je crois que c'est par là. Bah en fait c'est aux quatre coins qu'on nous indique qu'il y a des supports pour récupérer la machine. Il y en a peut-être plusieurs des machines, il y en a peut-être quatre. Vu qu'ils indiquent quatre coins. Du coup moi si je prends celle-là. Elle me s'avère trop loin de est-ce, qu'il y en a qu'une seule ou est-ce qu'il y en a quatre? À mon avis il doit y en avoir quatre en tout pour qu'on puisse tous faire des réparations. Je te laisse fermer. Sinon là ça va être un peu compliqué pour le sport. Alors attention, à partir de là, nous on est exposé au danger. Hein. Tu n'as pas d'accroche, je te le rappelle. Il faut bien aller en bas, hein, c'est ça. C'est attends, quoi, ne sors pas, ne sors pas. Je vais récupérer cette machine. Hop là. Youhou, c'est trop bien. Ah, c'est génial à conduire. Oui, mais il faut que t'ailles chercher quoi? Toi, faut que t'ailles en chercher une autre. Oui, mais. Mode main libre. Ça veut dire quoi, mode main libre? Essaye. Alors attends, je prends l'habitude des commandes. Avec les petites rétrofusées, c'est très amusant à piloter. Hein. Mais franchement, c'est pas évident, évident. Tu vas voir quand tu vas le piloter. À moins que t'aies la priorité caméra. Et là, dans ce cas-là, ouais, c'est plus facile à piloter. Mais c'est pas évident. Parce que là, tu vois, tu avec le joystick gauche, tu diriges l'assiette. Et là, l'inclinaison. Avec le joystick. Je verrai bien tout à l'heure. Il faut aller chercher quoi, là? Bah, il faut aller chercher l'autre appareil. L'autre machine, parce que tu vas m'aider aussi. Hein. Et le mode main libre, ça te permet, tu vois, d'attraper, d'attraper tes... Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Attends. On a tout réparé, ça. Sauf que... Tu peux leur accrocher des appareils, t'as vu? Ils disent. Oui, bah oui, des équipements. Ça, c'est cool. Et tu peux aussi les accrocher au câble. Donc, il nous faut les quatre... trucs, là, transplaneurs pour aller là-haut? Non, il n'en faut que deux, puisqu'on n'est que deux. C'est juste pour pas qu'il y en ait un qui fasse rien. Donc si tu veux bien, on va aller de l'autre côté de la... Alors moi, je vais essayer... Voilà, je vais essayer de t'y rejoindre. Ne pars pas trop loin. Sinon, attends. Ah, attends, je peux le prendre et rentrer à l'intérieur. Attends, j'ai peut-être un chemin plus court, comme on est là. Mais on va tout droit, oui, on va aller tout droit. Non, mais non, faut que t'ailles en chercher un par là. Non, on va aller tout droit, on va aller tout droit. Je vais aller chercher celui qui est en face, ça nous fait plus proche en plus. Je me mets en kit main libre. Je peux, t'as vu, je peux bouger en plus en kit main libre. Oulala, oulala, qu'est-ce que tu fais? Ferme cette porte. Houston, nous avons un problème. Tu me suis, mais dans l'autre sens. Mais je peux pas. Mais si. Je peux pas. Mais non, regarde la forme de la station, je peux pas te suivre. Mais je vais aller là. Ah là, en bas. Ah, c'est difficile à piloter quand la caméra n'est pas dans ton sens. Pas la porte. Vas-y, oui. Eh, je commence à prendre le coup de main. Vas-y, lâche. Est-ce qu'elle est bien fermée, la porte?
Mais c'est bizarre que l'alarme se déclenche. Vas-y, referme. Oh là, non, 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 ne te lâche surtout pas. Attends, je viens. Ça, je vais pouvoir t'accompagner, bien sûr, la porte ouverte. Est-ce que c'est pas cette porte-là? Attends, tu veux que je ferme de mon côté au pire? Laisse-moi la caméra au pire. Mais le problème, c'est que si je lâche le kit... ouais, je me fais éjecter si je lâche le kit... le mode main libre. Attends, j'ai lâché le mode main libre. J'ai lâché les commandes. Lâche-moi. Je vais essayer d'attraper le truc en dessous, la porte en dessous. Au pire, on va la refermer par là. Si ça veut bien. Je pense que c'est parce que la poignée était ouverte de ce côté-là. C'est pour ça que ça voulait pas. Allez. Ah, quel enfer. Je vais reprendre les commandes. Oh, quel enfer! Là, c'est bon! C'était bon! Non! Allez, comme il y a de l'air! Enfin! Là, laissez-moi! Voilà, je tiens la poignée, je tiens! Lâche-la, toi, lâche-la! Tes pieds, non, oh, le lâche pas! Je peux pas traverser. Essaie d'attraper l'autre côté avec ton autre main sans lâcher. Voilà. Je peux pas aller à l'intérieur. Je peux pas essayer de te pousser vers l'intérieur. Là, si tu tiens la porte, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il faudrait fermer l'autre porte. Oui. Tu veux que je rouvre la porte? Bah oui, mais là, tu me gênes. Je suis devant. Je vais essayer d'intervenir. Essaie de t'accrocher à un truc. Oh, ça y est. Oui. Quel enfer. Oui.